make the ground shake. Et salut tout le monde, c'est Dynamo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny, les gars. Donc, on se retrouve tout simplement pour une petite astuce sur Cropta. Vu que les raids sont devenus remasterisés et tout, je me suis dit, ouais, on va faire une petite vidéo pour une astuce. Donc, là, c'est une astuce pour la première étape. Tout simplement, ça va vous permettre de gagner 20 ou 30 secondes sur cette étape. Pour les speedruns aussi, c'est pas mal. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est tout simplement déjà vous arrivez à cette lampe, vous commencez à vous vider, vous mettez à zéro. Ensuite, vous passez à la prochaine lampe. Et ici c'est bien important que vous partez à zéro. Regardez, donc tout simplement moi je vais me mettre à zéro. Et vous allez voir qu'en fait je vais passer sur le côté. Il y a un tout petit chemin, voilà, juste ici sur le côté. Donc suivez bien là où je passe. C'est tout simple. Ça va vous faire gagner vraiment 40 secondes. Là vous allez voir, en fait on passe sur le côté. On va être en x9, x6 ou x7. Ça dépend, des fois x8 aussi. Mais bon, franchement ça vous fait gagner à temps fou. Là je vais vous mettre tout simplement si je passais normalement avec si je passais rapidement. Donc je vous laisse, à tout de suite les gars. Donc on se retrouve à la fin d'étape, donc vous avez vu que tout simplement je viens de passer avec la technique rapide MDR, on va dire ça. Et là vous voyez que je suis encore en train de galérer avec l'autre technique, enfin galérer, on va dire qu'il y a les 30 secondes à gagner, 30-40 secondes, je sais pas vraiment. Mais voilà, quand même c'est une petite astuce qu'il faut pas zapper. En plus quand vous faites la deuxième, les mobs ne vous font pas trop chier.
Enfin, c'est tranquille quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire, de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous dis ciao, bye les gars, c'était Dynamo.